bienvenue à tous ceux qui arrivent, n'hésitez pas à tapoter. Coucou. Ben, ça va bien, merci. N'hésitez pas à tapoter quand vous arrivez. Je préchauffe le four tout de suite. Alors aujourd'hui on se retrouve pour des bûchettes au yaourt. Donc pour cette recette on aura besoin donc tout d'abord d'un pot de yaourt. Donc c'est une tournée. Ah merci pour le petit zigouigoui. Donc le yaourt que j'ai fait cette nuit. Donc ensuite on a besoin de 3 pots de farine. Donc j'ai repris en fait les mêmes pots de yaourt que j'ai là. Donc 3 pots comme ça de farine. Un pot de sucre, un demi-pot, moi j'ai mis de l'huile de noisette, un pot de lait entier, un demi-sachet de levure chimique, 2 œufs et du coup on va utiliser notre moule bûchette donc, que j'ai mis sur la plaque en alu perforé. Évidemment on va utiliser notre cuit-poule avec la cuillère magique, le support. Et je pense qu'on est pas trop mal. Ta robe est magnifique. Oh merci, c'est gentil. Ça fait longtemps que je l'ai celle-là. J'aime pas trop, je trouvais me grossir un peu. Mais ma foi, c'est pas grave. Voilà. Donc on va commencer parce que du coup, j'ai avancé le live aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'habituellement, les lives sont à 13h30. Là, j'ai fait 13h parce qu'à 15h, je dois être à Saint-Dié. Donc du coup, on va pas trop traîner. Donc là, on va déjà verser notre yaourt. Donc c'est des yaourts à la banane que j'ai fait. Donc en fait c'est des ferments qui sont déjà aromatisés. Donc c'est des ferments Guy de Marle. Donc ils sont déjà aromatisés. Ceux-là c'est banane. Donc comme ça, ça donnera un petit goût à nos gâteaux. Donc c'est une recette que je fais pour ma Kiki Céline qui voulait absolument une recette de gâteau yaourt. Mais qui n'est pas là, apparemment. Voilà, bravo. Donc là, j'ai mis le pot de yaourt. Je vais ajouter la cassonade. Donc là, je vais mélanger entre chaque étape pour bien incorporer tous les ingrédients. Donc là, je mélange déjà cassonade et yaourt. Ensuite, on va ajouter les œufs. Hop, donc nos 2 œufs. Hop. Bonjour Laura, qu'on met comme sur un de tes lives. Eh bien bonjour et bienvenue. N'hésitez pas à tapoter. Et si vous venez d'Instagram, vous m'écrivez Team Kiki. Donc là, je vais ajouter maintenant l'huile. Donc vous pouvez utiliser de l'huile de pépins de raisin, de l'huile noisette comme moi,
ou de l'huile basique, hein, ça fonctionne encore. Enfin, encore, non, aussi. Oui, il fait beau chez nous. Il fait très chaud, ça fait du bien. Donc là, on ajoute le lait. Donc ça, c'est du lait entier cette fois. Donc entre chaque étape, on mélange bien. L'avantage, encore une fois, avec le support cul-de-poule, c'est qu'on peut mélanger en même temps, verser de l'autre main. Donc là, j'ajoute la farine. On continue de mélanger au fur et à mesure. Oh, j'ai de pluie et vent chez vous. Ah oui, non. Ah, nous, en même temps, depuis le début de l'année, là, on a du soleil. Après, on a de la pluie pendant une semaine. Après, on a de nouveau un ou deux jours de soleil. Alors, j'espère que cette fois, ça va tenir parce que c'est vraiment pénible. Après, on ne demande pas à avoir 30 degrés tous les jours. Mais au moins, voilà, du soleil, qu'on puisse aller au bord du lac, à la piscine, des trucs comme ça, quoi. Donc là, je vais ajouter mon demi-sachet de levure. Il pleut depuis octobre. Oh la vache. Coucou Lola! Salut Lola, Céline elle est même pas là alors que c'est elle qui m'a demandé la recette. Pff, je suis triste. Bon ça va, elle verra en replay. Coucou. N'hésitez pas à tapoter quand vous arrivez. Merci pour le cadeau. Vous tapotez sur l'écran, ça fera apparaître plein de petits cœurs. Donc là, je mélange bien, donc jusqu'à obtention d'une pâte homogène, s'il vous plaît. Comment t'arrives à être en com en ayant le lit en live? Bah il écrit pas avec le même compte. J'ai même pas vu de commentaires moi. Pourquoi je vois pas ses commentaires? Donc je vais ajouter aussi, merci pour follow, Marie-Laure. Ah, merci Colo Cassie. Merci Sassou, bah dis donc. Ça fait plaisir de voir tous ces suivis. Ah non, pas... Ah bah, oui, comment c'est possible ça? Là, je vais ajouter la vanille. Moi, je mets toujours un peu de vanille quand je fais des gâteaux comme ça, yaourt. Je trouve que ça apporte toujours un petit goût sympa. Là, je me suis fait un café parce qu'aujourd'hui, c'est un peu la course, je vous avouerai. Heureusement, j'ai un gentil mari qui m'avait préparé un petit sandwich pour quand je rentre, que j'ai mangé en 5 minutes. Ah, coucou ma kiki! Bah dis donc, j'étais triste, j'ai dit purée, je fais un gâteau yaourt pour Céline, et elle est pas là. Mais vous venez du live de Céline, c'est pour ça que vous écrivez tout ça? Et bien bienvenue à tous. N'hésitez pas à follow pour ceux qui ne le sont pas encore. Merci Didine pour le follow. Alors aujourd'hui, on prépare le gâteau au yaourt pour ma Kiki. Voilà, elle voulait un gâteau au yaourt. Donc je fais un gâteau au yaourt. Moi, je ne le fais pas en gâteau, mais je le fais en bûchette.
Je leur ai dit de venir te découvrir que c'est... Oh, mais c'est gentil. Merci, Céline. Donc, du coup, on prépare en bûchette. Donc, Céline, tu verras, c'est, tu peux le faire dans un moule normal. Hein, t'inquiète pas. Et après, je vais faire une coque au chocolat au lait. Donc, ça, t'es pas obligé de le refaire, hein, par contre. En tout cas, c'est gentil, Céline. Bah, bienvenue à tous les kikis du live. N'hésitez pas à follow. Oh, merci Pépito pour les roses. Pour les cadeaux, vous n'êtes pas obligés, hein. Gardez vos sous-sous. Ici, on est là pour papoter, pour rigoler. Je ne veux pas vous prendre votre argent. D'ailleurs, en parlant d'argent, je suis retombée, c'était quoi, hier soir, je swipais sur TikTok les live match là. Bah, c'est gentil, Pépito. Donc, les live match, oh là, hey, je sais pas ce que vous en pensez, mais alors moi, ça me tend. Quand je vois ça, les mecs, t'as l'impression, ils sont en train de jouer leur vie, tu sais. Ils sont là, allez-y, allez-y, donnez-moi, allez-y, ils gueulent comme je sais pas quoi. Oh là là, surtout les... Malheureusement, j'en ai fait. Oui, mais je pense pas que tu gueulais comme ça, tu vois. Parce que moi, ce que je voulais dire là, c'est que j'en ai vu. Mais limite, du coup, leur communauté, ils se font engueuler, tu sais. Genre, mais qu'est-ce que vous faites? Allez-y, les cadeaux. Mettez plus fort, je sais pas quoi. Enfin, je dis non, mais s'il te plaît, on t'envoie un truc déjà, même si c'est un petit truc. Dis merci, tu sais. Non, je ne mets pas de pincée de sel. Donc là, je vais remplir mes empreintes. Hop. Donc on ne les remplit pas jusqu'en haut parce que ça va un peu gonfler. Merci pour le follow. Si tu n'en vois pas, tu te fais... Mais c'est ça en fait, moi, qui me dérange. C'est encore le système de faire un live match. Bon, à la rigueur, tu vois, ça met un peu... En fait, ça fait un petit peu... ça change, tu vois. C'est vrai que moi, j'ai l'habitude de faire des live recettes. Je fais pas forcément ce genre de truc. Il y en a qui peuvent se dire, ouais, ce serait bien, tu vois, ça fait un peu d'animation et tout. Ok. Mais par contre, aller sur un live match pour te faire engueuler parce que t'envoies une rose et que, en fait, le mec, il en a rien à foutre de ta rose parce qu'il veut un truc à 100 balles, non. Non, c'est pour ça, moi, tu m'envoies une rose, je suis très contente. Tu m'envoies juste un petit cœur, je suis très contente. Juste tu tapotes sur l'écran, je suis très contente. Hein. Je trouve ça un peu dommage, quoi. Après, j'en avais fait aussi, hein. Mais j'en avais fait une fois, je sais pas si vous vous rappelez. Et coucou au kiki du live de Céline. Pour les cadeaux et merci pour les follow. Alors aujourd'hui j'ai la pression hein, parce que là Céline elle m'attend au tournant hein. Elle m'a dit si ma recette ne va pas elle est plus ma copine. Des cupcakes bueno. Oh vache. Non, alors c'est pas du sucre aromatisé que j'ai ajouté, c'est des ferments lactiques déjà aromatisés. Donc j'en ai à pas mal de goûts différents. En fait, c'est les ferments lactiques de Guy de Marne. Donc vous avez la version fruits jaunes, donc c'est tout ce qui est ananas, mangue, etc. Et sinon, vous avez la version fraise, vanille. Framboise qui est bien aussi. Alors le moule il vient de Guy de Marle. Je suis conseillère manager Guy de Marle. Donc ce moule je l'ai eu en cadeau grâce à mes commandes clients. En fait je cumule des points
qui me permettent de, bah, de m'équiper. Et d'ailleurs, merci beaucoup à toutes celles qui ont passé commande ces derniers jours. C'est vrai qu'on en a parlé en vlog et on a dit en ce moment j'ai pas mal de commandes et je suis vraiment contente. Et du coup, je voulais vous dire merci parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui viennent du coup des lives ou des replay recettes. Parce que oui, les recettes sont toutes en replay sur la chaîne YouTube Adrien Vlog et Blabla. J'ai dit quoi? J'ai dit Adrien Vlog et Blabla. Non, c'est Adrien Laura Vlog et Blabla. Bon, en tout cas, je suis contente. C'est une bonne journée. Aujourd'hui, j'ai été livrée. Ensuite, j'ai récupéré aussi ma commande de la réunion à laquelle je suis allée jeudi dernier. Et cet après-midi, je vais à l'association, vous savez, pour l'EHPAD. Donc, j'avais fait une longue pause à cause de ma toux, je vous avais expliqué. Étant donné que je toussais vraiment beaucoup. Alors déjà au début, bah, comme j'ai eu mes injections et tout, bah, je ne pouvais pas trop faire forcément. Attention. 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 Quoi ? Pourquoi attention ? Qu'est-ce que vous dites ? C'est Adrien, il a dit. Je comprends rien, qu'est-ce qu'il y a ? Vous me faites peur. Attends, mais arrêtez ! Vous me faites trop peur là. Qu'est-ce qu'il y a ? Arrête ! Pépito, arrêtez ! J'ai peur. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Adrien, vu que je vois pas ses commentaires, il vous a dit de dire tout ça, c'est ça? C'est pas très cool, hein. Et puis en plus, vous faites ce qu'il vous dit. Ok, donc je vois de quel côté vous êtes, quoi. C'est ça? C'est ça le truc? Vous avez pris parti? Remplir mes empreintes. Donc on va enfourner 20 minutes à 180 degrés. Donc aujourd'hui, vu qu'il fait beau, le timer sera rose. Voilà. Donc 20 minutes 180 degrés. Et ensuite, je ferai du coup les petites coques au chocolat au lait. Donc, on fera fondre dans le moule bah, notre chocolat. Donc, après, je l'enfourne dans un moule, dans un four éteint mais chaud pour que le chocolat fonde. Je replace mes gâteaux dessus et après, congèle pendant 30 minutes. Personne ne nous a rien dit. Ouais, c'est ça, ouais. Donc là, je vais essayer de démouler rapidement pour pouvoir faire mes coques assez vite. Parce que j'aimerais bien pouvoir vous les montrer avant de partir. Vous voyez, des moulages... Des moulages super faciles, sans avoir graissé. C'est chaud.
Donc sans avoir graissé le moule au préalable, vous avez un démoulage vraiment génial. Hop. C'est trop chaud. Je t'ai pas dit, je remarche comme une vivante. Ah, ça y est. J'y ai pensé ce matin, je voulais t'écrire, savoir si du coup ça allait mieux. Et en fait, je suis partie en livraison et tout le bazar. Et du coup, j'ai même pas fait. Non, ça colle pas du tout, du tout. Là, c'est juste chiant parce que c'est super chaud. Du coup, je fais comme ça. Mais vous voyez, c'est vraiment sans beurrer, sans graisser, sans rien du tout. On est nickelos. Donc là, je vais mettre une petite ligne. Je ne sais pas si j'en ai assez. Il arrive après la guerre. Oui, il avait du boulot. Hein. Ouais. Je vous ai dit, à chaque fois, c'est comme ça. En général, il regarde mon live d'en haut pendant qu'il finit de travailler. J'ai un rendu qui tourne, donc je crois. Et quand il a fini, bah, il descend, il me rejoint. C'est comme le matin. On fait chacun notre truc là, de notre côté. On se retrouve à midi. Bah oui. On se voit pas le matin. Hein. Bah non. Il a sorti la chemise à fleurs. Ouais, j'aime trop. Mmh. Il est beau, mon chéri. Bah, et quoi ? Tiens, un petit bout de chocolat. Donc là, je vais replacer le moule donc dans lequel j'ai mis mes carrés de chocolat. Donc je vais mettre... Non. Ah oui. La diff. C'est ouf, hein. Putain. Ah la vache. Ouais, c'est ouf. Donc je vais remettre dans le four, donc éteint mais chaud. Ah, tu mets chaud au lait. Oui. Du coup, regardez. Donc rien que comme ça, c'est déjà super bien. Donc là, je vais refaire la coque. Donc après, je vais replacer mes petites bûchettes dessus. Je sais pas si je ferai un petit... Peut-être avec du caramel. Ça peut être pas mal, vous savez, un petit filet de caramel là-dessus. Ouais, je pense que je ferai ça. On verra après. Pour la peine, je mange des céréales. Bon, du coup, ça, je vais manger. Je vais donner à boire à mes toutous. Bon, ça va. Je suis pas à la bourre. Il est quoi, 13h50. Ça va. Ça va, ça va. Par contre, j'aurai pas le temps de vous faire le démoulage en live, parce que là, le temps que ça fonde et que ça prenne au congèle, ça va être trop juste. Donc du coup, je vous ferai la petite photo pour Instagram. Donc n'hésitez pas à vous abonner à Instagram, Influence Gourmande, avec un S à Influence et un S à Gourmande, n'est-ce pas? Donc je vous partagerai la... Qu'est-ce que tu fais? Puis les karchers, à la maison. Donc
Donc n'hésitez pas à follow pour voir du coup le résultat. Parce que là, oui, clairement, le temps que je démoule et tout, j'ai pas envie de me précipiter et de louper juste parce que j'avais pas le temps, c'est dommage. Donc on va faire comme ça, n'est-ce pas? C'est plus sage. Ça rentre tout pile dans mon plateau. Je suis abonnée depuis peu. Oh, bah super. Tu te sens comment maintenant que tu es chef d'entreprise? Là, pour l'instant, c'est le début et tout. Hein. J'aimerais bien être, oui, déjà au moment où voilà, on va vraiment avoir beaucoup de boulot et tout. Là, on voit quand même que ça prend vraiment petit à petit. Là, on a déjà une commande pour le week-end prochain. Après, on a déjà des commandes pour juillet. Donc, c'est pas autant que le week-end dernier. Mais en fait, ça peut arriver. Là, on n'est que lundi. On est mardi. On n'est que mardi. Donc, on peut très bien être appelé mardi, mercredi, jeudi ou même vendredi pour ce week-end encore. Donc, on ne sait pas. Là, déjà, au moins, on a déjà des commandes et c'est cool. Ce soir, on avait une commande de glace. Donc, ça, c'est cool aussi. Donc, oui, petit à petit, là, ça commence à prendre. Et ça fait vraiment plaisir. Bon, je vais chercher... Donc là, vous voyez, ça a bien fondu. Donc là, je vais passer un petit coup de pinceau. Donc là, c'est juste histoire d'étaler un petit peu. Hein. On n'aurait même pas besoin de passer un coup de pinceau, juste en plaçant nos gâteaux dessus, ça étalerait. Mais moi, j'aime bien me compliquer la vie, donc je le fais quand même. Voilà, c'est tout. Donc là, ça va nous faire des belles coques chocolat au lait. Avec du coup un simple gâteau au yaourt. Bon, aromatisé banane parce que c'était des yaourts à la banane. Que j'ai fait ce matin. Là, j'ai de la purée de fraises. J'essaye de voir qu'est-ce que je pourrais faire avec la purée de fraises. J'ai fait des yaourts la semaine dernière avec. Mais là, je sais pas si... J'aimerais bien changer un peu. Donc, je sais pas si je vais refaire des yaourts. Donc là, je vais replacer mes gâteaux dans les empreintes. En appuyant un petit peu dessus pour que ça remonte bien. Comme ça, ça va faire tout le tour. Donc là, elles sont bien épaisses, mes coques, c'est très bien. Hop. Vous voyez, c'est super facile, hein, les coques, vraiment. Panna cotta purée de fraises. Oh. Pas mal. Mais après, c'est peut-être pas super facile de faire ça. De faire ça en live, les panna cotta. Parce que du coup, il y a pas mal de prises au froid. En fait, c'est ça qui est compliqué quand je veux faire des lives. C'est que des fois, j'ai des super idées recettes. Par exemple, des entremets et tout. J'aimerais trop. Ah bah, vous voyez, là, ça va trouver un peu. J'aimerais trop vous faire des entremets. Mais en fait, il y a beaucoup de prises au froid. Donc, c'est super long, en fait. Donc, c'est un peu chiant, je sais pas. Je sais pas. Bon, en tout cas, c'était un super live. Je suis contente. Je suis juste un petit peu déçue de ne pas pouvoir faire le démoulage avec vous. Mais là, je vais attendre que ça refroidisse déjà un petit peu comme ça. Et je vais les mettre au congèle. Parce que si je mets la plaque bouillante là au congèle... C'est pas foufou. Je vais laisser un petit peu refroidir. Je vais mettre au congèle et je vous ferai la photo pour Instagram. Là, j'ai un petit peu de retard d'ailleurs avec Instagram. J'ai plusieurs photos à vous mettre.
N'hésitez pas du coup à aller voir les offres des guides Mars Day que je vous ai publiées sur Insta. Évidemment, comme d'habitude, alors maintenant c'est comme ça, quand vous êtes de la team Kiki, je veux un commentaire, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, vous me mettez team Kiki. Voilà, comme ça, je sais qui est qui, je sais qui me suit dans les lives, n'est-ce pas? Si je fais des coques au chocolat blanc, tu penses c'est 1, 2 ou 3 carrés de plus? Bah écoute, honnêtement, je peux pas te dire, ça dépend de quel moule tu as déjà. Et par contre, ce que je te conseille pour les coques au chocolat blanc, c'est de faire fondre ton chocolat au bain-marie. Parce que le chocolat blanc, c'est super dur à faire fondre. Moi, je sais qu'en le faisant fondre dans un moule, comme je fais là pour le chocolat au lait et le chocolat noir, je n'y arrive jamais. Alors, peut-être que toi, tu y arriveras, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, ça ne fonctionne pas. Je préfère largement les faire fondre, au bain-marie pour être sûre qu'ils fondent et qu'ils ne crament pas. Donc, ouais. Faire très, très attention avec le chocolat blanc. Moi, en tout cas, je vais vous laisser. Comme ça, je vais finir de ranger tout ça. Je vais me préparer à partir parce que, mine de rien, il est déjà 14h. Il faut que je parte à 14h30. Donc voilà, je vous remercie pour ce live. Merci Céline d'avoir incité tes abonnés à venir me rendre visite. Ça m'a fait plaisir. Et j'espère que la recette vous aura plu. N'hésitez pas à follow, commenter, tout ça, vous connaissez. Et je vous dis à demain pour une autre recette. À bientôt !